Vous reconnaissez, n'est-ce pas? Vous le reconnaissez, ce beau plan-là. Et oui, évidemment, aujourd'hui, on se retrouve pour 100 petites argiles. Je vais le faire sur cet AM-là parce que tout simplement, ce week-end, je ne suis pas là. Je suis chez ma mère de nouveau et du coup, je n'aurai pas ce PC. Donc, je ne pourrai pas rec, tout simplement. Et l'AM n'est pas non plus horrible, hein. Il y a quand même 25 petites surprises dedans. Par exemple, on peut drop une belle monture de combat, je l'adore. Si je pouvais la garder et être rentable, évidemment, je le ferais. Il y a des petits cri-cri, il y a des trucs de magie, des petits éclats. Bon, il y a ça, c'est pas ouf, ça se vend 2000 ou 3000, quelque chose comme ça, mais c'est toujours ça de prix. Il y a quelques petits costumes à droite à gauche, enfin voilà, bref. On va être parti tout simplement, donc ça, évidemment, on les prendra pas, on s'en fiche littéralement. Mais bon, voilà, on est parti. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le dernier essai. Je me suis déjà trompé dans l'ordre. Voilà, on remet tout dans le bon ordre. Voilà, parfait. Donc évidemment, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a au cinquième essai. Donc ça, c'est des trucs, des boosts d'XP, de butin. Hein. Donc évidemment, c'est pas des énergies. Hein. Donc on s'en fout. Un truc ici qui pourrait être intéressant au troisième essai, ce sont les petits ciseaux comme ça. Voilà. C'est pas ouf, mais ça reste 2000 PO. Oh, 150, c'est pas mal du tout. Du coup, on a déjà fait nos deux petites missions là qui sont très très cool. On va attendre qu'ils reviennent parce que j'aime quand c'est dans l'ordre. Vous le savez maintenant depuis le temps. Voilà. Oh là là, oh là là, les trois qui ratent d'un coup comme ça fait mal hein, quand même. Mais c'est pas très grave. En vrai, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette argile. Attendez, je dois juste diminuer là. Ouh là, c'est un peu trop. Bon, pas grave. Je sais plus ce que je disais du coup. Mais voilà. Mais il y a moyen vraiment, vraiment d'être très, très rentable avec cet AM. Donc, on verra bien. Hein. Bon, par contre, il rate quand même beaucoup là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais. Je refuse, moi, que vous ratiez avant les C5. C'est pas normal. Ok. En fait, ce qui est chiant ici, c'est que ça compte comme un truc qui est bien. Et donc, du coup, quand vous le droppez, eh ben, le jeu, il se dit, bah voilà, on lui a déjà donné un bon truc. Ça, c'est quoi? Maillet. Vas-y, j'ai déjà, je m'en fous, hein. Concrètement, ouais. On s'en fout un petit peu. Donc, voilà. Donc, j'espère. Oh, yes, un petit SS5 ici. On va le laisser venir comme ça. C'est jamais. Il réussit. Et. Oh, la monture de combat! Magnifique! Magnifique, la monture de combat qui vient! C'est beau, c'est beau. Et on a utilisé même pas 20 argiles. Et la monture vaut 20 AM. Donc, plus ou moins. Hein. Donc, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Pour le moment, on est rentable. J'ai l'impression que la sensibilité de ma souris a augmenté. Mais quand je la diminue, ça la diminue trop. Mais... Ah, il y a ça. Mais ça, c'est trop bien, ça. Par contre, ça, je prends. Ça se vend 100, 150 unités, plus ou moins. Donc, on va prendre. Ok. Évidemment, lui, il rate après avoir ramené un bon truc, c'est pas logique. En général, quand il ramène un bon truc, il faut pas tenter le diable et continuer. Mais le truc, c'est que les bons trucs de cette argile-là, avant les C5, ne sont pas non plus incroyables en général. Donc, il est évident que je ne vais pas les prendre à chaque fois. Et puis, même, c'est maillet et hache, il me semble. Hein. Donc, on a maillet et hache, voilà exactement. Mais je les ai déjà. Et je les ai déjà en 1000 fois. J'en ai plein dans mes trucs. Donc ouais, je ne les prendrai pas. J'ai pas regardé ça, c'est des échangeables. C'est des échangeables, deux emplacements, parfait. Oh, un petit ciseau pour finir ma lame, parce que ma lame, il lui manque un trou, justement. Donc ça me convient, ça fait 2000 PO également, hein, plus ou moins 1500, 2000 PO. Donc c'est pas mal. On ne refuse pas, évidemment. Allez, on continue. Merde, ici c'était C4, hein, il aurait pu aller SS5 en réussissant. En fait, j'ai l'impression qu'il est plus facile à réussir les C5 que les C4. Si ça se trouve, c'est le cas, c'est peut-être fait exprès. Et ce serait malin en soi. S'ils ont fait ça, c'est malin. Ok. Évidemment, on a encore chopé un truc de maillet là, mais bon, ça je l'ai déjà dit, je ne prendrai jamais parce que ça ne sert à rien. Enfin. Ça ne se vend pas beaucoup et puis ça remplit l'inventaire pour rien. C'est dommage parce que ça drop vraiment beaucoup. Hein. Ça aurait été plus intéressant si c'était bah, des trucs plus intéressants de base, tout simplement. Parce que maillet et hache,
pas ouf. Oh, on a un petit SSA ici, on va le laisser y aller comme ça, évidemment. Sans cacher, il a réussi. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Ok, ça me va aussi. Ça se voit beaucoup, hein. Ça se voit entre 15 et 20 unités en ce moment. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est pas le meilleur, mais ça c'est pas mal. On va attendre ici, voilà. Hop, on était de nouveau désynchronisé. Ok, bon, ça drop pas des masses. On va pas se le cacher, mais je vous avoue que j'arrive pas à savoir si elle est rentable ou pas. En fait, ça dépendra de ce qu'on va dropper plus tard. En fait, je pense que si je prenais les établis, je serais clairement rentable. Mais j'ai pas envie de prendre ces établis, donc voilà, je ne les prends pas. Insultez-moi si vous voulez. Bon, quand même pas, n'abusez pas. Mais voilà, vous pouvez me faire la remarque si vous voulez. Mais je préfère ne pas les prendre. Et tester d'avoir un SS5, on ne sait jamais en plus. Hein. SS5, franchement, c'est propre. Hein. Ah, par contre, oh oui, on a un SS5 ici au milieu. Qui va réussir. Et on a. Ok. Ça me convient. 150 petites. Ce truc-là, voilà. Ça me convient très très bien. Parce que, en fait, c'est des trucs vraiment qui sont très 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 recherchés. On a un petit SS5 ici. Je sais pas. J'ai limite l'impression que c'est obligatoire de réussir les SS5. Hein, parce qu'ils réussissent vraiment à chaque fois. Oh! 25 AM, les gars! On a eu 25 surprises. C'est incroyable. C'est incroyable. Les 25 surprises là qui tombent. Mais c'est formidable. C'est formidable. Je suis très content, on va pouvoir les ouvrir. Avec un peu de chance, on peut avoir des trucs de dingue là-dedans. Ça, on accepte. Vraiment, hein, dans les 25, ça m'est déjà arrivé d'en avoir un et de choper 40 dedans, des trucs comme ça. Une fois, dans les argiles qui tout double, justement, où il y a des packs comme ça, j'en avais plus que deux et dedans, j'en ai chopé une fois 40. Et juste après, j'en ai eu un. Puis juste après, j'ai rejoué et j'en ai rechopé encore 75, il me semble que c'est qu'on peut choper dedans. Ouais, non, 65, pardon. Donc, ouais, non, ça m'a mis trop bien. Et j'étais monté, j'avais commencé avec 50 argile et j'étais monté à 270, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un truc de malade avec plein d'éclats en plus, parce que c'était une alchimie avec des éclats. Enfin, franchement, c'était incroyable. Ce jour-là, j'ai joué des argiles pendant 6 ou 7 heures d'affilée. En commençant avec 50 seulement, donc c'était vraiment. C'était magnifique. Alors je suis très très content d'avoir droppé les 25 packs. Ça c'est un plaisir. Un plaisir évidemment. Allez, allez. Ok. Ah, mais attendez un petit peu ça. Ah non, c'est des expériences. Ok, on a deux costes, c'est cool. Je crois qu'en plus les costes, ça coûte demain. Magnifique, arme de main, ça se vend 2000 PO. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, ça. Oh, petit SS5 ici, on va le laisser évidemment comme ceci à chaque fois pour découvrir. Oh, on en a deux d'affilée qui me ramènent. Oh, 5 petits nucléus, enfin 5 cristals d'enchantement, c'est pas mal aussi. Et lui qui me ramène 150, ok. C'est pas mal, je suis très content à chaque fois quand ça me ramène 150, hein, parce que ça me fait 2000 PO au minimum, et 2000 PO, bah, l'air de rien, ça reste 5 à 6 argiles. Donc c'est très très cool, évidemment. Ok, même s'il y a mieux, hein, genre la petite monture de combat et tout, 1000 fois mieux, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Par contre, je crois vraiment qu'on peut pas rater les C5. Je pense en fait que c'est ça le principe de cette argile-là, c'est que les C4 est très dur à avoir, mais une fois qu'on l'a, les C5 est garanti. C'est peut-être ça. Peut-être le principe de cette argile-là, j'ai jamais fait gaffe. Si vous êtes au courant, dites-le évidemment dans les commentaires. Mais c'est possible que ce soit ça. Et c'est génial, c'est très très cool. Ok. Allez, allez, hop. Mais on est. Oh oui, on a un SS5 ici. On va le laisser comme ça, évidemment, de nouveau, pour avoir la surprise de ce qu'on va avoir. Et on a. Oh, une petite monture de combat. Mais c'est génial. Ok, là, on a un costume d'eau. Très bien, les costumes d'eau aussi. Ça se vend en 1500, 2000 unités. Donc c'est très, très bien. Merde, j'ai rebouché. Voilà. Enfin, j'ai refermé.
Très très bien, on a encore une monture de combat. Bah les gars, il y a moyen que je garde du coup une des montures de combat pour moi. Et ça me fait très plaisir parce que j'adore vraiment cette monture de combat. Le jour de sa sortie, j'ai voulu me l'acheter, mais bon, comme toutes les montures, quand elles sortent, elles coûtent une blinde. Donc je ne l'avais pas achetée. Elle valait 40-50 000 PO quoi. Donc voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, elle vaut beaucoup moins. Et je voulais l'acheter justement. Quand je l'ai vu tout à l'heure, pas ce matin parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais j'avais envie de l'acheter justement dès que je l'ai vu. Ok. Waouh, incroyable. Cette argile est très très rentable. Hein. Elle est vraiment vraiment rentable cette AM. Ça fait plaisir. C'est plaisant à voir des AM comme ça. Oh oui, on a un petit SS5 ici, encore une fois. Hop. Ouais, j'ai vraiment l'impression que SS5, c'est quasiment garanti. Enfin, c'est même pas quasiment, en fait. Vraiment, c'est garanti, j'ai l'impression, 100%. Ok. Très, très bien. Hop, hop. Alors. Voyons voir. On va remettre dans l'ordre. Voilà. Ça fait plaisir, ce genre d'AM, hein, quand c'est garanti de réussir l'SS5 une fois les C4 passés. Surtout quand il n'y a que des bons trucs comme ça. Bon, il y a deux trucs qui m'intéressent vraiment pas dans les C5 que je n'ai pas encore eu, c'est ça et ça. Ça, c'est vraiment les deux trucs que je refuse d'avoir. Parce que tout simplement, les petites billes, là, la petite perle bleue, jaune, ça ne se vend pas et ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à grand-chose en tout cas. Et l'autre truc, oh yes, un C5 ici. Et l'autre truc ne sert pas à grand-chose non plus. Enfin, je trouve après, il y a peut-être que moi qui pense que ça sert à rien. Bon, ben voilà. En parlant du loup, le voilà qui arrive. Bon, mais je crois que ça peut quand même se vendre, mais c'est très très dur à vendre. Hein. J'en avais eu pendant un moment une dizaine dans mon inventaire, ça m'a pris, je sais pas, je l'ai gardé un an avant de réussir à le vendre. Donc voilà. Mais bon, oh yes, un SS5. Allez, 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 ramène-moi encore 25 RG, ce serait magique. Oh, 3 SS5 d'un coup. Oh la vache. Allez. Ouais, c'est 100% de réussite, ça. Là, c'est même sûr et certain. Ok. 3 SS5 d'affilée avec à chaque fois 150 trucs. C'est énorme, hein, les gars. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup plaisir. Ça fait beaucoup plaisir, oui, bien sûr. Le français, Milaes, le français. T'as raison. D'ailleurs, oui, pour ceux qui ne savaient pas comment se prononçait mon pseudo, parce que c'est vrai qu'il est assez difficile, ça se prononce Milaes. Ok, on arrive sur notre toute dernière argile et on va ouvrir les packs. On va ouvrir les packs et selon ce qu'on a dedans, je vous offre, enfin, je continuerai des argiles ou je vous fais une deuxième vidéo directement. Comme ça, voilà, ça peut être cool. Ok, non, raté, raté et raté. Ok, dommage, on arrive sur notre dernière et on va aller voir en même temps un peu, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a chopé. Ah oui, donc on a chopé au total, ça j'en avais déjà. 300, c'est possible? 300 plus 600. Non, j'en avais 200. Ouais, c'est ça, j'en avais 200. Donc on en a chopé 900. Donc ça fait 900 fois 15. Attendez, je prends ma calculette, évidemment. Je saurais le faire mentalement, mais je préfère, parce que vu que je calcule tout en même temps, je préfère faire comme ça. Donc 900 fois 15. Ok. Plus deux montures, donc ça va faire 14 000. On va mettre 14 000, hein, vous savez quoi, on va arrondir à 14 000. Plus 20 fois 150 pour ces trucs-là. On a eu deux trucs corps, donc ça fait 2 000 PO. Et un truc dos et un truc armes, donc encore plus de 1 000. Ouais, donc on est très 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 clairement rentable. Rien qu'avec tout ça, on est rentable, sans compter les 25 argiles ici, et peut-être cette dernière AM qui va nous ramener quelque chose de très peut-être très très bien. On va laisser comme ça pour voir s'il va réussir ou pas. Et malheureusement, il va rater. Alors, c'est parti pour ouvrir tout ça. Donc on va voir, hein, avec un peu de chance, un de ces packs à dedans sans argile, ce serait incroyable. Pour une deuxième petite AM. Pour le moment, on n'a pas eu une seule fois 5. Ah, voilà, on a eu notre première fois 5, sauf si ici. Non, c'était pas un 5. Ok. Ah, ok.
Donc on a eu 1 et 5. On a eu que des 1 et une 5. Ben vous savez quoi? C'est reparti. Ça fait 14 minutes la vidéo. Allez, vous aurez une longue vidéo cette fois-ci. On est reparti. On va faire de nouveau les 29 argiles que nous avons eues grâce à ces petits packs. Ok, il rate directement SC2. Ça fait pas plaisir ça. Donc voilà, c'est cool, hein. Il nous offre l'occasion de rejouer un peu plus et de faire une plus longue vidéo tout simplement. Ok, 2 essais 4 qui ratent. Ça fait mal. Ok, je sais pas c'est quoi qui fait que j'ai l'impression que ma souris est plus rapide. Oh, un petit costume ici qu'on n'avait pas en plus. Donc ça va partir dans mes archives tout ça. Et je vais pouvoir garder peut-être une petite monture de combat. Si j'en rechope une maintenant, en tout cas c'est clair que j'en garde une. Si j'en rechope pas une, bah tant pis. Je garderai peut-être une quand même. Parce que vraiment, c'est une monture que j'adore. Bon, ça, je les prends pas, hein, les petites boules d'XP comme ça. J'en ai pas mal aussi de côté. J'aurais peut-être dû la garder pour le coup, vu qu'il a raté. Mais bon, je pouvais pas deviner non plus. Ok. Dommage, il a raté ici, les C4 de nouveau. Ils vont pas souvent à SS5, mais quand il y va, c'est toujours un plaisir. Hein. Peut-être ici. Non, malheureusement. Et peut-être encore à gauche. Aïe, 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 aïe. Allez, Alain, redémarre. Allez, allez. J'espère vraiment, vraiment, vraiment dropper du lourd. Hein. Ce serait vraiment ouf. Ce serait vraiment incroyable. Allez. Ah, dommage, il rate tous les deux ici. Yes, on a un SS5 ici qu'on laisse évidemment toujours ouvert pour avoir la découverte le plus tard possible de ce qu'on va avoir. Oh là, ça fait mal ça. Ces petites perles-là, vraiment, c'est le malheur. C'est incroyable, c'est un truc vraiment que je déteste avoir. Aïe, là, sur les 25 argiles, on n'a pas de chance hein, pour le moment. Yes, un petit SS5 ici. Allez, s'il te plaît, ramène un bon truc. Essaye, essaye, essaye. Oh la vache. Deux fois d'affilée, non. On a encore un SS5 ici au milieu. Allez. Allez. Pas une troisième fois. Pas trois. Pas trois. Bon, ok. C'est déjà mieux, mais c'est pas non plus incroyable. Ça sert à rien. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un acheter ça ni utiliser ça. Donc. Enfin, si. Mais c'est pas ouf. J'attends celui-là. Voilà, histoire de les remettre ensemble. Enfin, dans le bon ordre. Il nous en restera plus que trois. Aïe, aïe. Oh, on a un SS5 ici à droite. Allez, ramène-moi un bon truc cette fois. Ok. C'est ok. C'est ok, c'est ok. On va les remettre dans l'ordre. Voilà. Hop. Voilà. Je pense que si j'avais gardé tout ça et que j'arrivais même à les revendre 1000 unités, je pense que j'aurais été très rentable, hein. Mais bon. Pas envie de. Bon. Ben voilà, on n'a rien eu de plus spécialement de fou, hein. On a eu quelques petits trucs, mais bon, c'est quand même cool, on a 1500 trucs comme ça, enfin ouais, non, on se retrouve, on est vraiment bien, j'espère en tout cas les gars que cette petite vidéo vous aura plu, comme je vous l'ai dit, je ne pourrai pas sortir de vidéo demain ni après-demain parce que je ne suis pas chez moi, mais ne vous inquiétez pas, dès que je peux, je vous fais des vidéos, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, bye!